on est concerné par, par la réforme retraite, pénibilité. En ce qui concerne les IAD, ça va se jouer sur un allongement de temps de carrière de 11 ans, le fait de travailler 6 années supplémentaires, et le protocole Bachelot, en ce qui nous concerne, est un miroir aux alouettes. C'est-à-dire on va nous proposer de l'argent en plus pour au final partir à la retraite avec moins de sous, puisqu'on va s'aligner sur le privé, c'est-à-dire cotiser plus d'années et augmenter le taux de cotisation de 7,50 à 11 et des brouettes. Nous n'allons pas nous arrêter là. Ce sont que des signes qu'on envoie au gouvernement pour le faire réfléchir. Quand vous dites que vous n'allez pas rester là, ça risque de prendre quelle forme ? J'en sais rien, je ne suis pas un syndicaliste organisateur, hein. Je suis un participant lambda. Mais je pense que si aujourd'hui le gouvernement n'écoute pas les revendications pour une plus grande justice dans un nouveau système que nous ne refusons pas, nous ne refusons pas une réforme, nous voulons une réforme plus juste. Et si le gouvernement entend pas ça, ben nous allons continuer. Bah, nous sommes dans la rue aujourd'hui aux côtés des Français et des syndicats. Pour dire que cette réforme, qui est un peu le concentré de l'injustice, de l'inefficacité et même de l'étouffement démocratique que Nicolas Sarkozy apporte à notre pays, ça suffit. Il faut reprendre cette réforme, car il en faut une. Nous avons fait des propositions, mais il faut qu'elle soit juste. On ne peut pas accepter que des gens qui ont commencé à travailler à 17 ou 18 ans ne puissent pas partir à 60 ans, ou que les salariés et les retraités payent 92% de la réforme, qui en plus ne règle rien. Donc il faut se battre, comme une démocratie sait le faire, pour que la justice soit là, pour qu'elle soit reconnue et pour faire une belle réforme que chacun comprendra et que chacun acceptera. Bah, les Antillais sont des Français comme nous, ils comprennent comme nous que le problème des retraites est un problème grave. Ils savent mieux que quiconque les mensonges du gouvernement qui avait fait des engagements, pris des engagements et qui ne les a pas tenus. Sur les prix, sur les loyers, sur les salaires, etc. Et donc ils doivent être avec nous, mais je suis convaincue qu'ils le sont, parce que nous tous, nous devons faire reculer le gouvernement. C'est un gouvernement pourri, qui a enlevé toute idée de progrès, qui fait toujours payer les mêmes, voilà ce que je pense. Et moi j'ai envie qu'on se rebatte pour le progrès, pour mes enfants et une belle vie. Tu fais déjà grève toi ? Ouais. Tu t'appelles comment ? Pierre. Tu trouves ça sympa ? Ouais, trop. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais grève alors ? Bah parce que je veux pas avoir la retraite à 62 ans. Si ça continue comme ça, ça sera à 82 hommes quand j'aurai 60. Et tu as quel âge aujourd'hui ? 12. Il a encore du temps quand même. Ouais, mais il est bon. C'est important de se battre dès le plus jeune âge. Je suis retraitée, mais je suis solidaire de tous ceux qui... de mes enfants, de mes petits-enfants qui n'auront jamais... enfin, qui vont arriver à être obligés de travailler jusqu'à la mort, quoi, en somme. Et c'est vraiment catastrophique, cette réforme. Monsieur Sarkozy, il gouverne pour les riches et uniquement pour les riches. Il protège ses amis comme Bush faisait aux États-Unis. C'est la même politique. C'est la république des copains, quoi. L'avantage d'avoir fait les deux, c'est quand même que vous avez les deux informations. Nous redisons que nous reviendrons aux 60 ans comme une liberté qui permette à ceux qui ont leur durée de cotisation de pouvoir partir à 60 ans, les emplois pénibles, ceux qui ont commencé à travailler tôt. Nous savons qu'une grande partie des Français travailleront plus longtemps, mais nous voulons, par justice, que ceux qui aujourd'hui, ils sont 3 millions, qui ont commencé à travailler avant 19 ans et qui ont leur durée de cotisation, puissent continuer à partir à 60 ans. C'est cela la justice. On ne fait pas de réforme aussi importante sans mettre l'égalité et la justice au cœur. C'est l'inverse de ce qu'a fait le gouvernement. La discussion au Sénat va être une nouvelle étape. Elle va d'ailleurs, à mon avis, modifier la loi sur un certain nombre d'éléments. Après, on verra si le gouvernement en tient compte. Nous restons toujours opposés à ces mesures d'âge parce qu'aujourd'hui, ce sont les salariés et les salariés les plus fragiles qui vont souffrir de cette réforme. Nous la remettrons donc en cause en 2012. Mais le gouvernement, en popularité, il est en train de plonger complètement. Donc, si vous voulez, je pense que Sarkozy, il faut aussi qu'il réfléchisse à ça. Il risque maintenant d'être dans une situation d'impopularité aussi grave que étaient ses prédécesseurs sur le CPE.